Bonjour à tous et à toutes. Bon, aujourd'hui, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui est un tuto sur les différents morts qui existent. Donc, je pense que je les ai tous. Enfin, j'ai tout détaillé au niveau des morts. Donc, après, il y aura quelques explications sans moi. Enfin, ce sera plutôt par écrit. Et voilà, donc. Justin, bienvenue dans l'Aveyron. Bienvenue dans l'Aveyron. C'est Justin, bienvenue dans l'Aveyron. Bienvenue dans l'Aveyron. Chez nous, ça traîne pas dans les. Bon, tout d'abord, bon, voilà. Quel mort pour quel cheval? Donc, le mort est le lien entre le cheval, enfin le cavalier et le cheval. Pour que le cheval comprenne correctement les indications de votre main, quoi. Donc, voilà, quoi. Il faut lui mettre un mort permettant à l'information de passer correctement. Pour cela, l'embouchure doit être adaptée au niveau du cheval, mais aussi au niveau du cavalier. Parce que, bon, ben voilà, quoi. Si le cavalier ne s'est pas servi de ce mort, ça sert à rien de mettre ce mort à ce cheval, même, voilà, quoi. Avant tout, il faut vérifier l'autonomie de la bouche de votre cheval. Je pense que c'est super important, ça. Il va vous permettre de choisir correctement la taille de votre cheval, enfin, la taille du mort, sa forme et le mort, quoi. Et les tailles du canon, quoi. Une embouchure trop petite peut pincer la commissure des lèvres. Une trop grande aura une action moins précise. De même des chevaux, avec un palais plus étroit. Donc voilà quoi. Bon ben. Viola, let me see you dance, Viola. See you dance, baby. Come on. Adesso credo nei miracoli. Yeah. In questa notte di tequila, boom boom. Yeah. Sei cosa sexy, cosa sexy thing. Fiamme nel cielo.